Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 avec la Grande-Bretagne, bien sûr. Alors, avant de finir l'épisode précédent, j'avais eu juste une révolte là. Je vais m'occuper de ça vite fait. Je pense pas que ça pose un très gros problème. Je vais rapatrier pas mal de troupes, je pense, en Inde. Il est temps de recommencer mes conquêtes dans cette région. J'ai beaucoup trop d'argent là. Il faut absolument que je fasse. Ah, sérieux, je vais pas réussir à m'occuper de tout ça. Alors, comment je vais faire? Je pense que. Oui, si, je peux. J'ai des troupes qui sont. C'était déjà prévu qu'elles partent, donc elles vont y aller. Je serai là trop tard, évidemment, mais enfin, c'est pas grave. Ok, ça c'est géré. Là, l'important c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de reprendre leur province, donc ça c'est plutôt cool. Ah putain, j'arrive plus les colonies là, c'est beaucoup trop rapide. Armor, ouais. Donc là j'ai une colonie ici. Une colonie ici. Je pourrais en faire une ici à la rigueur. Il faudrait que je me trouve un colon, évidemment. Ah, mais ils sont tous en route. Non, non, j'en ai un de libre, c'est bien ce qui me semblait. J'ai voté une loi il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, sauf que je peux pas les lancer ici. Je peux le lancer ici à la rigueur. Mais. Si, je peux passer par les territoires espagnols, forcément. C'est juste qu'il faut qu'il fasse tout le tour, mais c'est pas grave, il va le faire. Bon là j'ai pas eu le temps d'intervenir mais mes navires sont en route, ça prendra le temps qu'il faut. Ouais c'est bon. De toute façon les chances de révolte vont diminuer en même temps que ma lassitude de guerre va diminuer, ma surexpansion aussi. Donc on devrait y arriver. J'aimerais bien m'allier aux Scandinaves. Pour l'instant, ils refusent. Alors, pourtant, j'ai fait. Non, j'ai pas fait le mariage. Je vais faire le mariage. Ouais, ils veulent vraiment pas, hein. Merde. Peut-être qu'ils vont finir par me proposer eux-mêmes. Souvent, ça arrive. Ok, donc là, question colonie, c'est mort. J'ai plus de colonistes, c'est officiel. Ceci dit, il y en a un qui est quasiment prêt. Ok, donc là, on va le rappeler immédiatement. Et on va le relancer là. Je peux pas, je suis trop loin de tout là. On va le lancer là. Alors, ici, mes navires arrivent doucement mais sûrement, parce que là, les conquêtes avancent quand même, faut que je me méfie. Ok, c'est parti. Je pense que c'en est fini de ces conquêtes. Donc là, mon armée, elle devrait pas tarder à arriver. Je sais pas où sont mes navires pour l'instant. Ouais. Là, ils sont pas en très bon état. Ça devrait le faire quand même. Donc là, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il commence à convertir tout ça. Ouais, ça va vite en plus, mine de rien. Parce que le problème, c'est qu'il peut très vite repasser en catholique s'il y a des révoltes qu'il n'arrive pas à gérer. Bon, là, je trouve que ça va relativement vite. Donc ça va, c'est pas trop mal. Par contre, il est remonté à 53%. Il faut vraiment que ma réputation s'améliore là. Bon, ce sera le cas. Dès que j'en aurai fini avec cette surexpansion. Là, on va se diviser. Ce que je pourrais peut-être essayer de faire aussi, c'est de prendre un plus 1 en réputation, là. Je me rappelle jamais où c'est là. Il faudrait que j'en ai un à plus 3 aussi.
Merde. Je vais virer cela. Je peux, honnêtement, j'ai 22 000 d'argent. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je dépense. Merde, j'ai pas eu le temps d'intervenir. Bon, tant pis. Par contre, là, ça va être bon. Ok. Et voilà, donc ils ont quand même quelques petites révoltes séparatistes. Allez, ouais, bon, pour l'instant ça va. Rien à voir avec la religion. Donc là, on va embarquer. Donc là, je serai pas là à temps, hein, de nouveau. Un petit peu ennuyeux, mais bon. Quand je suis tout seul, pardon, j'ai qu'une seule armée pour gérer ça, c'est un peu chaud quand même. D'accord, eux ils sont arrivés, donc la guerre ça va pas tarder, je veux juste, en fait je veux juste mettre ça à zéro, finir les légitimisations avant de faire une quelconque nouvelle guerre. Ouais, donc ça malheureusement, c'était inévitable. J'ai combien de colonies là? 3 plus 2 en route, ça m'en fera 5, c'est parfait. Ok, donc c'est géré. Là, on est redescendu à 50. D'ailleurs, je vais développer mes provinces, ne serait-ce qu'en administratif. Ça, je m'en fous, je vais lui donner l'accès. J'ai pas vraiment de raison de lui refuser. Alors, en administratif, j'ai dit. Est-ce que j'ai des provinces intéressantes? Ouais. Ok, je vais m'arrêter là quand même. Bon, de toute façon, ce qui compte maintenant, c'est ça. Je suis toujours à 200 de relations, donc c'est plutôt pas mal. Faut juste être patient. Alors, où j'en suis de mes revendications? Je pense que je dois être pas mal. Allez, j'ai 51 sur E là. Non, sur qui? Sur E. J'ai certainement pas besoin de tout ça. Ah, remarque si. Garjat. Srikulam. Ok, bon en fait c'est pas tant que ça. Ça je peux arrêter, ça je peux arrêter aussi pour l'instant. Ils veulent pas s'allier avec moi. Mais peut-être quand ma réputation sera améliorée, ceci dit. On verra ce qu'il en est. Constituer un réseau d'espionnage. Je vais garder un diplomate. Ça va me servir dès que j'aurai fini mes légitimisations. Voilà, je suis remonté à 5 colonies, donc c'est parfait, c'est ce qu'il faut que je maintienne. Allez, sérieux, faut que ça avance là. Mais après, je sais pas si je vais le faire, hein, parce que ça dépendra de leur taille en fait. Ils risquent d'avoir une taille un peu trop importante. Et merde, je sais pas si je serai là à temps. Je vais prendre celui qui a le meilleur score en manœuvre, si je peux gagner un ou deux jours. Ouais, ça devrait le faire quand même. Ouais, c'est bon. Tiens, ceci dit, j'ai pas regardé, mais l'Autriche m'a pas reproposé une alliance. Ah, on peut plus. Et quand ils sont rendus, il y a eu une trêve obligatoire, entre guillemets, d'accord. Alors, je peux prendre une doctrine. Durée de recrutement. Bon, évidemment, c'est pas la meilleure doctrine qui soit, hein, la plus utile. Là, j'y suis presque. Et après, il faut que je trouve un moyen de dépenser mon argent quand même. Je pense que je vais aller dans ces provinces, on va voir ça. Ça, je m'en fous. Alors là, je vais pouvoir repartir avec mon navire. Faut que j'aille chercher d'autres troupes.
Ok. Voilà, donc là, j'espère que ça nous fait repasser en dessous des 50. A priori, non, pas encore. Ou peut-être c'est pas à jour. Pour l'instant, ça, j'accepte. Sérieux, ça ne fait pas passer en dessous des 50. Bon, il y a ces deux-là qui vont se finir. 10 de loyauté, ouais, bien sûr. J'espère que ce sera suffisant. On n'est vraiment pas loin. Hein. Mais là, j'ai pas trop d'autres façons de faire. J'avoue. Allez, sérieux. Ça n'en finit pas. Ok. Donc là, c'est bon. A priori, ils sont à 49 et quelques. Ou 49, ouais. Alors, attention. 1834. Donc déjà, c'est beaucoup trop long. Ça va me prendre toute la partie. Hein. Mais parce que ça n'avance pas pour l'instant, sans doute que je vais quand même le lancer. Mais il va falloir que j'améliore ma réputation diplomatique. Pourquoi c'est aussi lent, là? Je suis même pas sûr d'avoir de malus, d'ailleurs. Alors, non, c'est pas ça que je veux voir. Si, c'est ça. Réputation diplomatique. Allez, c'est parce que ma légitimité est pas terrible. Ouais, je suis vraiment pas très très haut, là. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Bon, avec la légitimité, ça va augmenter un peu. Il faut absolument que je me trouve mon... un plus 3. Et à chaque fois, je me tape un plus 1, là, ça m'intéresse pas. Je vais les virer jusqu'à temps que j'ai mon plus 3. Non, c'est pas bon. Encore un plus 1. Parce que là, ça va être très très long. Il faut absolument que j'accélère ça. Il n'y a pas photo. Ah, par contre, j'avais oublié ça. Alors, on va soumettre plutôt les Ottomans à l'embargo. Je vais insulter les Ottomans, d'ailleurs. Alors, insulter les Ottomans. Pour l'instant, je peux pas. J'ai sans doute pas de diplomate, ouais. Et merde. Ça va prendre 58 jours pour revenir. Merci du cadeau. Oh, je vais jamais y arriver à les intégrer. Je vois que les Portugais m'ont pourri ma réputation, là. Disent de loyauté encore. Les bourgeois vont finir par avoir 100% de loyauté à ce rythme-là. Alors, 10 de loyauté, ouais, je prends. Ok, donc on va déjà commencer par insulter les Ottomans. Envoyer des insultes. Ça nous met à 48 et il faudrait que j'aille piquer. Oh merde, ça c'est problématique. Je vais peut-être devoir les aider moi-même. On va voir. Normalement, ils ont de quoi faire hein, tout seul. Ce que je veux voir, c'est où les Ottomans ont de la puissance commerciale. Ici un petit peu, mais pas des masses quand même. Hein. Non, le mieux, ce serait vraiment de leur mettre des pirates ici. Les corsaires. Je vais essayer. Annuler la mission. Je vais en prendre... une petite vingtaine pour vraiment marquer le coup. Non, c'est pas ça. Pratiquer la course. J'ai toujours pas accès à Constantinople. Si, c'est bon. Et ça me met à 58, donc c'est parfait. J'aurais peut-être même pas besoin d'en mettre 20, mais honnêtement, je vais pas faire dans le détail. Ça n'a aucune espèce d'importance.
Donc eux, ils étaient sur la Manche, logiquement. Alors, ce que je veux faire, je vais me prendre le plus 1 de puissance diplomatique de réputation. Je vais prendre le plus 1 de réputation ici. Ok. Donc, ce qui va sans doute accélérer un peu la conversion. On est rendu à plus 5. Donc déjà, c'est fini en 1815, c'est un peu mieux. Ensuite, ici. Putain, sérieux, toujours pas bon. Ça va me coûter cher, mais enfin bon, j'ai beaucoup d'argent. Donc ça devrait le faire. Il faut que je regarde tous les mois, que je le vire jusqu'à temps que j'ai trouvé ce qu'il me faille, enfin ce qu'il me faut. Et en plus, j'ai très peu souvent un plus 3, donc ça risque d'être long. Mais c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Je ne suis pas pressé. Ok, suivant. Et merde, là j'ai un plus 3, mais c'est pas ce qu'il me faut. C'est pas grave. Continuons. Donc là, est-ce que je vais aider les Espagnols, peut-être? Juste une simple... simple visite. C'est des séparatistes. Je pense qu'ils ont un petit peu de mal avec la religion, là. C'est peut-être ça qui augmente les chances de révolte. Alors, ce que je vais faire vite fait, c'est que je vais réaliser cette mission. Ils n'ont pas d'alliés, rien. On va vite fait en finir avec ça. Parfait. Ça, je m'en fous. La science, c'est dans 4 ans, donc je vais avoir de quoi dépenser beaucoup de points, là. Peut-être diplomatique, pour une fois. J'avais gardé une certaine réserve pour convertir l'Espagne, intégrer l'Espagne, mais enfin bon. Et j'ai peut-être pas besoin d'autant de réserves, en fait. Donc, autant développer les provinces... Je crois qu'il y en a, voilà, celle-là est pas très développée. Ah, il y en a beaucoup là qui sont pas développées. Ok. Donc là, il y a un mois de passé, j'ai oublié de vérifier. Et merde. Ah, ça va être pénible, hein, je sens. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est construire quelques bâtiments commerciaux ici. Ouais, je pourrais. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'y vais? Ouais, je pense que... je peux me permettre de dépenser un peu d'argent. Ça va augmenter ma puissance dans la région. Ça peut être que bon. On construit en plus directement les niveaux 3. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. J'espère que ça va avoir un impact clair sur la puissance commerciale dans la région. Qui, ceci dit, doit déjà être pas mal. Encourageant. Ah, du coup, ça veut dire que je peux faire une autre colonie. C'est laquelle qui vient de se finir, là? J'ai même pas vu. Peut-être celle-là, non? Bah, du coup, je vois pas trop. Ah, c'est peut-être celle-là, déjà. Du coup, il faut que je libère un colon. Rappeler. Alors, est-ce qu'il s'est passé un mois ou pas? Je pense que oui. Ça va être pénible, faut que j'y pense tous les mois à aller voir. Eh non. Janvier, ça tombe bien. Toujours pas. Ah, ça va me coûter cher pour avoir ce plus 1, ce maudit plus 1 là. Et là, on est sur une base de 1815 encore. Ok, donc là, la guerre est finie. On va leur prendre le peu d'argent qu'ils ont. Parfait. Et on va tout de suite embarquer ça pour... l'Asie.
Accroître nos revenus commerciaux, c'est pas possible. L'île aux épices, ouais, pourquoi pas. J'ai pas trop le temps de m'occuper ça, j'avoue, mais on va quand même essayer. Alors ça, j'embarque. Direction. Alors ceci dit, je pourrais m'arrêter vite fait à l'île aux épices. Je sais même pas trop lequel c'est. Il m'a dit, je pense que c'est dans les parages, mais... Merde, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà? Ah, je sais pas où c'est. Macassar, j'avoue que je sais pas où c'est. Ouais, c'est bel et bien là, donc... Ah, mais il faut carrément que j'arrive à conquérir la province. Macassar, ah d'accord, donc en fait, faut que je fasse une guerre. Ah, c'était pas du tout ce que j'avais compris, mais... c'est pas vraiment dans mes objectifs. Je pensais que c'était une colonie, moi j'avais rien capté du tout. Alors, objectif, une guerre contre l'Inde, là, parce que faut que ça avance. Elles sont passées où, mes armées, là? Je me demande quand même si j'en ai pas perdu quelque part, là. J'ai dû les laisser traîner. Donc celle-là c'est normal. Celle-là c'est bon. Voilà, je me disais bien que... Donc celle-là c'est bon. Et là celle-là il m'en renvoie là. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être celle qui est en bateau. Et ah oui, j'ai celle-là. Ah bah c'est bon, il a géré sans moi. Donc direction les Indes, j'aurai assez de troupes pour lancer cette guerre assez rapidement. Et merde, on va d'abord s'arrêter ici, je crois. Pour gérer ça. Là, il va avoir le temps de prendre la province, malheureusement. Je peux pas faire grand-chose contre ça. Toujours pas. Putain, j'y arriverai jamais. Ah, c'est parce que Borgou était en train d'être converti, donc là, malheureusement. Ah non, mais la province. Ah non, c'est bon. La révolte n'a pas eu lieu à Borgou, donc ça devrait le faire. Efficacité commerciale. Je pense qu'efficacité commerciale pendant 10 ans est plus intéressante, mais... On va voir. 244, je suis. On va voir à combien ça va me mettre, mais c'est peut-être une erreur, hein, honnêtement, j'ai aucune idée là. Ok, ça c'est cool. Ouais, 12, 12 pendant 120, en fait c'est équivalent. Ouais, ça, les deux se valent, donc il n'y a vraiment pas de choix meilleur qu'un autre. Alors, je pense arrêter la vidéo, je veux juste vérifier un truc, je suis toujours à plus de 100. Alors le problème c'est qu'ils ont une aspiration à la liberté qui a un peu remonté là. Ma réputation diplomatique est de nouveau dans les choux. Ah, et du coup, je vais plus les convertir là. Ah, bordel, on va jamais y arriver. Honnêtement, je pense que j'aurais pas dû lancer la conversion, mais enfin bon. Putain. Bon, bah, j'ai pas grand chose à faire. Ce qui est bien, c'est qu'ils se sont très vite convertis, donc maintenant, une chose est sûre, c'est qu'ils vont rester protestants. De ce point de vue-là, il n'y a pas trop de doute. Ils ont été plus rapides que moi. Hein. Ça, c'est clair. Bon, bah, on est de nouveau à l'arrêt. Ça, c'est cool. On va. Je vais essayer d'en lancer une autre. Donc là, je suis prêt. On
Vite fait, je vais essayer de trouver les... Toujours pas. Je vais jamais y arriver, je crois. C'est vraiment pas une question d'argent, mais... C'est juste que je commence à en avoir marre. Je peux pas prendre un plus 1 quoi, ce serait mortel. Hein. J'ai quand même besoin de points. Alors, nouvelle religion encore. Ah, sérieux. Je crois qu'on va être obligé de le virer celui-là. Ouais, je le vire. De toute façon, je le remplace par exactement la même chose. Et je vais virer cela. En espérant quand même avoir ce foutu plus 3 là. En réputation diplomatique. Alors la science, c'est dans 2 ans, je serai prêt. Ouais, je vais prendre le plus 2, tant pis. Hein. C'est pas génial, hein. Enfin bon, c'est un peu le seul moyen. La bonne nouvelle, c'est que ça va quasiment nous faire repasser en dessous des 50, là. Ah, pas tout à fait. Ils doivent pas être loin, quand même. Hein. Bon, il y a l'événement qui baisse au fur et à mesure, ça c'est bien. Je pense qu'on sera assez rapidement en dessous des 50. J'espère. Ah, c'est reparti là. Non, c'est pas reparti. Ne rêvons pas. Alors, j'ai une légitimisation. J'avais oublié celle-là. Comment ça se fait qu'elle est aussi longue? Ah, c'est les Indiens, pardon. Ah bah, du coup, ça va me faire repasser en dessous des 50, je pense... Puisque ça va améliorer ma réputation diplomatique. Faut juste qu'elle se finisse. Et ça devrait être bon. Et merde, j'ai plus personne ici, moi, sérieux. Tout le monde est reparti, là. Bon, bah, demi-tour. Et pendant ce temps-là, je peux pas me lancer sur l'Inde. Alors, je pourrais faire cela, ils ont pas d'alliés. Eh, mais ça va augmenter ma... Je vais attendre d'avoir légitimé Saliman, là. Ah, bon, encore une colonie, ça va très très vite. Oui, bah ça, évidemment, j'ai pas pu être là à temps. Là, je suis toujours à plus 3, c'est bien. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même surveiller. Si j'obtiens pas ce que je veux, d'ailleurs, je vais continuer à... Les supprimer de temps en temps. Voir si je peux pas tomber sur un plus 3. À l'occasion. Ok, de toute façon, faut que je m'arrête là. Ah oui, je devrais pouvoir en trouver un. Et merde, c'est pas ça que je voulais faire. Quel boulet. Je voulais le virer, je l'ai nommé. Peu importe, de toute façon, il servait à rien, honnêtement. Il rapportait très peu. Ok, pour l'instant, je vais vous laisser là. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain pour la suite de ce Let's Play. Tiens, bah le voilà. Parfait.